Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Explique-moi pour voir de plus près et mieux comprendre plein d'objets religieux. Aujourd'hui, nous parlerons des mystères lumineux du rosaire. Prier le rosaire, c'est revivre des grands événements marquants de la vie de Jésus et de Marie comme un abrégé de tout l'Évangile. Il a été choisi 20 événements en 4 séries. D'abord, 5 événements de l'enfance de Jésus, les mystères joyeux, puis 5 événements de la vie publique de Jésus, les mystères lumineux, 5 événements de la passion de Jésus, les mystères douloureux, et 5 événements à partir de la résurrection, les mystères glorieux. Dans cette vidéo, nous ferons connaissance avec les mystères lumineux et nous aurons notre chapelet comme fil conducteur, à partir du credo vers les 5 dizaines. Mais avant de commencer, deux remarques importantes. Les grands événements qui ont été choisis sont appelés mystères. Mais pourquoi ? Parce qu'ils nous font rentrer dans le mystère de Dieu qui dépasse les limites de notre intelligence. En priant un mystère, il est bien de penser à un point important à retenir. C'est comme un fruit que l'on cueille et qu'on goûte, d'où l'expression « fruit du mystère ». Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus. Jésus était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Le fruit du mystère est le suivant, à demander spécialement en priant cette dizaine, la fidélité aux promesses faites le jour de notre baptême. Aimer le Seigneur notre Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toutes ses forces. Et aimer son prochain, c'est-à-dire les autres, pour qu'ils aillent au ciel, eux aussi. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Le fruit du mystère est le suivant. À demander spécialement en priant cette dizaine, faire confiance à Marie, car elle sait ce qui nous manque et elle en parlera à Jésus, qui ne peut rien lui refuser. Et faire tout ce que Jésus nous dira dans le cœur, car il est tout puissant. Troisième mystère lumineux, la prédication du royaume de Dieu. Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Le fruit du mystère est le suivant, à demander spécialement, en priant cette dizaine, la conversion des pécheurs et le zèle pour le salut des âmes, se convertir, c'est-à-dire se tourner vers Dieu et le regarder, croire à l'évangile, parole de Dieu, et devenir des apôtres de Jésus pour que son règne arrive. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmène à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. À la fin, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Le fruit du mystère est le suivant. Il a dit « Je suis la lumière du monde », et ici, il le montre. Jésus est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Il est à la fois Fils de Marie et Fils de Dieu. Et donc, à demander spécialement en priant cette dizaine, confiance totale en lui, même et surtout quand on est dans les moments difficiles. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit
et leur donna, en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Le fruit du mystère est le suivant. Renouvellement du sacrifice de Jésus sur la croix, nourriture de nos âmes, présence réelle dans l'hostie gardée au tabernacle. À demander spécialement en priant cette dizaine, un très grand respect et un grand amour pour l'Eucharistie. Cette vidéo fait partie de la série Explique-moi, disponible sur le site www.apprenez-nous-à-prier.fr. Le but de cette série est de vous permettre de voir de plus près et de mieux comprendre plein d'objets religieux. Vous pouvez par exemple y retrouver la vidéo sur le chapelet ou les vidéos des autres mystères. À bientôt !